Eh ben, salut tout le monde, c'est le frère de Titanis. On se retrouve en compagnie de Overdose, Salut à tous. de mon frère Titanis. C'est tout le monde. Et ben, c'est un petit gameplay en mêlée générale. La mob de Overdose, il joue avec l'UMP viseur laser tir rapide comme premier atout, condition extrême pro, surarmement comme deuxième arme principale, la PP90 Semeng. Après, il joue avec rapport, deux accessoires, bon bah bref. Et puis, il joue avec les grenades flash et puis la Semtex. Bon bah, je vais passer la parole à Overdose. Non, allez les gens, je déconne. Donc ce n'est pas moi. Voilà, maintenant c'est moi. Donc on se retrouve aujourd'hui vraiment pour une mob en mêlée générale, sauf pas avec la classe qui vient de d'indiquer. Donc je suis avec la classe comme j'avais fait comme je fais pas mal de mobs, je sais que c'est pas l'arme la plus difficile à manier, je sais, et c'est pour ça que j'ai utilisé quoi. Déjà faire une mob en mêlée générale, fallait y aller et je suis très content, franchement j'étais très content. Vous regarderez, pardonnez-moi, vous regarderez le score et vous verrez franchement que j'ai eu chaud. Donc je joue avec la CR, les atouts de base, donc pillard, pillard, assassin ou bonne gâchette, je ne me souviens plus, avec tireur d'élite, car pour mêlée générale il faut vraiment qu'on voie les gens de loin. Donc ben voilà, j'ai comme vous voyez la CR comme deuxième arme. Je dois avoir aussi la MP9 je pense. Oui, la MP9, vous verrez que je vais faire quelques kills avec. Et franchement ça sera un super beau gameplay. Mais il y aura je sais pas comment on va faire, ben, on va laisser comme ça, on va rigoler de ça. Pour ce gameplay, vous verrez juste après, je suis allé poser une quiche. Non, je déconne. Non, je sais plus qu'est-ce que je suis allé faire. Je crois que c'est maintenant, voilà. En fait, non. Ah non, tu veux pas rester couché là-bas au fond? Non. Non, bah ça sera après. Je vais encore me mettre là-bas. Je sais plus ce que je devais aller faire. Je sais plus du tout. Je sais, salut à toi. Donc, maman m'excuserait. On passe là, on passe ou bien on fait comment? Non, non. Ok, on reste. On reste entre paniers. Et je sais pas si quelqu'un voulait vous dire quelque chose de particulier. Elle était bonne ta quiche. Non, je déconne. Ah oui, moi je voulais vous parler quelque chose. Désolé si je te coupe. Je voulais parler de Twitter. Donc, regardez-moi ça. De Twitter, donc, moi j'ai déjà un Twitter qui est ben, Super Overdose. Mais on va faire un nouveau compte pour la chaîne sur Twitter, car c'est plus simple de mettre. Coucou! De mettre les choses sur Twitter, c'est déjà plus rapide et on peut communiquer pardon avec tout le monde. Donc on va en créer un cette semaine je pense. Donc cette semaine quelle semaine on est, je sais pas. Donc vous allez le voir dans la description de toute façon, le lien pour aller sur Twitter. Donc ceux qui l'ont, n'hésitez pas à nous rendre visite, franchement on est très chaleureux hein. On va pas vous manger comme l'a dit dans une précédente vidéo Macrayoun. Donc voilà, là bah, je me relève, je me suis fini de me torcher le cul, non je déconne. Bah, là, vous verrez que ça va vite attaquer là. Je ne sais plus quand c'est que je commence ma série. Mais je crois que c'est maintenant. Bientôt, ouais possible. Là tu crèves pas. Ah mais là il y a un mastodonte, je veux dire. Oh la charogne lui. C'est un cheater, bah non, en fait, c'est un mastodonte. Mais je vais quand même vous dire quelque chose. J'ai déjà oublié. Voilà, dans une des vidéos, donc c'est toute la team, donc c'est une mob en live que je fais à la CR. J'ai eu un ou deux petits commentaires disant que je campais. Camper pour moi, c'est rester dans un coin, viseur fixe, assassin, indétectable, genre silence de mort pro, visée solide carrément, tracker ou je ne sais trop quoi. Ouais, c'est égal. Et bah là, honnêtement, c'est clair que je ne vais pas. Je vais pas rusher comme un malade, mais je ne vais non plus pas camper comme je viens de vous l'expliquer. Donc là aussi, Jonas ne va pas camper, il va rester à peu près là, faire des allées-venues entre ici et là-bas, car vous savez que en mêlée générale, les spawns sont vraiment très foireux. Dès que vous tuez quelqu'un par devant, il y a quelqu'un qui peut surgir par derrière et vous tuer très facilement. Par devant, par derrière, ça vous arrivera un jour. Et voilà, je voulais aussi vous parler des armes cheatées.
Non, pas vous parler, c'est pas le but de la vidéo. Je voulais juste vous dire un petit mot. Donc j'ai regardé une vidéo d'un mec qui s'appelle Gotaga. Je suppose que tout le monde le connaît. Non, et et il a dit qu'il donc il fait des concours. Bref, voilà, il fait des concours et il a dit que dans ces concours, donc sur Black Ops, il y a quelques armes qui sont été patchées. L'AKU, le FAMAS et le Commando, je crois Commando ou Gali, je sais plus. Et que sur MV3, étonnamment, ou pas étonnamment, à vous de le prendre comme vous voulez, il y a que la PP90 qui est exclue de ces concours. Donc c'est lui qui l'a expliqué. Et donc l'ACR, pour ceux qui disent qu'elle est cheatée, honnêtement c'est un bon exemple, je trouve, ce que je viens de vous expliquer. Car pour moi l'ACR, c'est clair que c'est une arme facile d'utilisation, mais ouais, ça va pas jusqu'à être une arme cheatée, je m'excuse. Bon, bref, voilà, juste... on revient au gameplay. Je vais juste faire une parenthèse, regardez le score. Bon là je me suis un peu rattrapé. Franchement il y a quand même pas mal d'écart entre le premier et moi. Donc vous verrez que jusqu'à la... Ouais, peut-être pas la dernière minute quand je vais la faire rapidement. Mais vous verrez que jusqu'au bout ça va être assez serré quoi, il est devant moi. Et ben je vous laisse le suspense si... Parce que je peux avoir ma moi bien sûr, mais est-ce que je vais la déclencher? Je vais vous laisser le suspense encore pour un court instant. Regardez, il est 1300 à 1100. Donc 1550 maintenant. 200. Non j'arrête. Donc vous voyez quand même qu'il y a deux kills qui nous séparent. Et voilà. Je suis plus dans mon élan. Et voilà, j'ai obtenu mon moi. Mais regardez, il est quand même à 1350, 1400. Il avait plus qu'à 2 kills. Hein. À 2 kills de gagner la partie. Et là, franchement, j'étais en extase. Hein. Aussi, il a aussi eu de la chance de bloquer sa moab. À ce moment-là, bah, là, sa moab l'a protégé. Car bah, il avait plus qu'une balle. Regardez. Il avait plus qu'une balle dans son chargeur d'ACR. Donc, un kill de plus, il était obligé de prendre la MP9. Et c'était pas le kill assuré. C'est clair que c'est une arme très facile d'utiliser. Une bonne deuxième arme, mais tout de même faut quand même savoir la manier et tout. Donc on parle de ça dans une vidéo qui est sortie, soit je vais la mettre 2 ou 3 jours avant, soit 2 ou 3 heures avant, je sais pas. Ben voilà, donc score de 32. Donc il y aura eu quelques péripéties dans cette vidéo, l'explication de la moba du MP et la grosse quiche de Jonas. Ben voilà, ben abonnez-vous, n'oubliez pas, et faites tourner la chaîne. Je voulais aussi dire, faites tourner la chaîne à vos amis, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents. Non mais franchement, à tout le monde. Non mais à tout le monde, franchement, ça serait super bien. Ça serait super bien quand on puisse se faire connaître. C'est ça serait grâce à vous. Ça serait grâce à vous si on se ferait connaître. Donc voulais dire déjà un grand merci. On est très peu d'abonnés, ça on le sait, mais on prend énormément de plaisir à vous présenter des gameplays. Donc au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.